Bonjour, Nicolas Desjardins de l'Institut de Neuroperformance. Je vais vous parler aujourd'hui d'un petit truc qu'on est en train d'étudier qui est vraiment intéressant, qu'on va parler autant dans la formation Quantum Jump que dans la formation sur l'électromagnétisme avec Alexandra Parenteau. On a réalisé qu'il y a une étude qui a été faite qui est vraiment intéressante, qui parle du corps qui reste sa polarité, qui interagirait avec le champ magnétique de la Terre. Donc, on dirait que, selon cette étude, évidemment, il y a une supposition par rapport à ça, je vais vous parler du mécanisme d'action ensuite, la tête du corps serait un peu comme le pôle nord. Donc, il faudrait, quand on dort, orienter la tête vers le nord, tandis que les pieds devraient être vers le sud. Cette étude-là, ce qu'elle a démontré, en fait, c'est une augmentation des globules rouges au niveau du sang. Donc, évidemment, une amélioration de plein de fonctions vitales dans le corps. Les globules rouges, entre autres, vont transporter de l'oxygène dans le corps, donc c'est vraiment important. Donc, ce qu'on peut faire, c'est simplement, vous avez une petite boussole sur votre téléphone, c'est d'orienter, de trouver où est le nord, et votre tête devrait être positionnée comme ça. Je sais que c'est pas facile de tout changer selon comment votre maison est construite, mais idéalement, les gens devraient, si vous êtes contracteur, vous travaillez dans le bâtiment, commencer à peut-être penser à ce genre de petits détails-là parce que ça change des vies, ça optimise les fonctions de la santé des gens. Vous pouvez même vendre vos maisons en vantant que vous avez pensé à ce mécanisme-là, ces études-là. Je vais vous fournir l'étude en bas de vidéo. Donc, pour nous ici, c'est simplement de pointer exactement comme ça le lit. Donc, le soir, on va pouvoir orienter le lit comme ça. On va mettre la tête, on était complètement à l'opposé en ce moment, pratiquement. On avait la tête au sud, puis les pieds vers le nord, on dormait très, très, très mal. Donc, on va pouvoir voir ce soir si ça va bien, mais la science a prouvé que ces mécanismes-là naturels se faisaient. Donc, voilà. Comment c'est ça? Donnez-moi les nouvelles.